revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Un poster de toi. Un poster de toi. Hein? Hein? Oh, il a ici maintenant, excusez-moi, un poster de toi. Une affiche de toi. Affiche-toi, mon ami. Là, ici, on s'affiche. On s'affiche. Hein? Avez-vous débuté la fin? Oh non, on n'a pas encore débuté la fin. On n'a même pas débuté le milieu. C'est, monsieur, non, on peut pas le... Oh non, pas maintenant. Si l'occasion se présente, on va débuter la fin, là. Mais là, on a débuté le début. C'est quand même... Non, c'est pas le début, c'est... Et le but dans le début. Bon. Êtes-vous contente? C'est le début du début. C'est pas le milieu du milieu, là. C'est le début du début. Après ça, c'est le milieu, puis c'est le début de la fin. Oh, et puis après, ben après, c'est la fin. Et puis, le silence, le noir complet. Oh, comme la fermeture de la vie. Oui, c'est vrai. Faut pas dire le contraire, monsieur. Ben oui, on peut dire le contraire, parce que selon Crémusus, oui. Oh, Crémusus, oui. Verset 43, section 12, siège 18. Il est l'heureux gagnant d'un tout. Ben, quel est le tout? Ben, c'est un tout. Oui. Tout. Un tout. Tout. OK. Et dans le tout? Non, c'est... Oui, mais ben, c'est un tout. Tout. OK. Tout quoi? Tout. Tout. Bon, OK, on arrête ici, là. Je crois qu'il y a comme un petit problème technique. Non. Un tout. Tout. Ah, un toutou! Un toutou! OK, il y a un toutou! Un toutou! Ah, un petit toutou! Un petit blanc, un gros toutou! Un gros toutou! Oh. Comment il va faire pour l'amener, ce gros toutou-là? Ben, on va le dégonfler. Mais non, c'est un toutou. C'est pas une poupée gonflable. Oh. Non, je la donne pas, ma poupée gonflable. Moi, je la garde. Elle est tellement belle. Oh. Je l'ai choisie selon mes préférences. Oh! Alors, quelles sont vos préférences? Oh, ben, ça me stimule un peu le gorlot de vous en parler. OK, alors on y va ici avec l'atelier d'improvisation. Non, je peux vous le parler. Non, non. Dites pas vos gorlodies à la radio. OK. Là, quoi, elle est... vous l'ai dit souvent, même l'animatrice, il y a quelques années, ne voulait plus que j'en parle de ma poupée gonflable. Parce que lorsque je l'avais mentionné au début de ma chronique... aux quatre coins des mots et des idées, que c'était à l'hélium et que pendant toute la chronique, je la voyais passer et je commençais à trouver ça un peu angoissant. Parce qu'elle la voyait pas passer, elle. Ah! Je la vois passer. Je savais qu'elle se gonflait. Je savais qu'elle le pouvait monter plus haut. Vers le firme. Et non, le firmament. Oh. Je la vois se gonfler. Je savais que je ne pouvais. Je savais qu'elle ne me lâcherait jamais. Hey! T'es parti là-haut! Reviens en bas! Nous sommes ici, nous les terriens! Poupée gonflable! Hein? Poupée gonflable! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami. C'était un beau moment de poupée gonflable, oui. Maintenant, la place Charles Bukowski. Ouvrons-lui le coin du bar, là. Voici le bar, là, parce qu'il faut lui faire un coin, mais le coin, là, c'est sa niche. Ah, oh, mon Dieu! Il niche là. Jusqu'à la vie, Paperman! Non, c'est pas la vie Paperman. Attention, madame. C'est une vitam Paperman. Oh! C'est la menthe douce? Non, c'est la menthe forte. La menthe polaire. La menthe qui te pogne dans la gorge, qui te prend la gorge, là, qui te la tord, là. Elle te malaxe. C'est comme le mal de ventre.
c'est le mal de ventre. Ça fait mal. La gorge, ça fait mal. Tout ça, ça fait mal. Mais je sais le mot torve. Est-ce que c'est torvé? Torve. Oh mon Dieu. Okay. Ah non, mais parce que en même temps, je peux pas. J'ai pas d'ordinateur pour vérifier torve. J'ai pas aussi de collaboratrice ou de recherchiste. Peux-tu rechercher? Ah ben, j'ai déjà de la difficulté à trouver mes lunettes. Ben, c'est ça, là. Tu peux pas. Non, je peux pas. Y a-t-il une garde à vue? Ben, moi, je vois pas, là. Ben, OK, ben, si vous voyez pas, y a pas de garde. Ben, à vue des reins, il y en a pas à vue des reins. C'est à tâtons. Attends. Avant de tâtonner, il faut quand même superviser le regard, oui. Il faut s'imaginer que, oui. Il faut comme voir une certaine silhouette. Silhouette anonyme, up to date, old fashion, silhouette passagère, jamais je ne verrai qui elle était. Oui, mais alors là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, il faut rentrer. Bien, il faut, hein, oui. On rentre. OK. Frappons. Peux-tu mettre un peu de... On va mettre. Oui. Oh, c'est l'oncle Buck. Oncle Buck? Oui. Oh. Pouvons-nous entrer? Non. Pouvons-nous pénétrer? Oui. OK. On pénètre. On cherche... On peut-tu avoir votre première phrase? Tâtonnez. On tâtonne. Tâtonner. Oui, on t'en... Mais oui, monsieur. Vous êtes monsieur? Bukowski. Oh. Ça va bien? Ça va très bien. Mais avez-vous amené ce que vous avez demandé dans un sac en papier brun? Ben, il y a quelque chose de brun, là, mais c'est pas du papier. Ben, c'est du papier brun. Oui, mais je vous le conseille pas. On n'a pas eu le temps de mettre ça oser le prendre, monsieur. OK. Oh, ça... Oui, c'est comme du... C'est du fromage fort. Très fort. C'est, oui, c'est du papier. C'est brun. Hein? Très brun. Oui. C'est fort et très brun. C'est fort et très brun. Ben alors, bon appétit à tous. C'est quoi? C'est du moelle? Non, c'est du joual. Du joual québécois? Oui, monsieur. Le meilleur joual qu'il ne peut pas avoir au Québec. Ah, on va vous en dire quelques-uns, joual. Verriez-vous ça, vous? La semaine prochaine. On va chercher du joual. On va joualer. OK, on dit la phrase. On commence la phrase. Hein? Joual. Il y en a du joual. Joual, c'est comme cheval. On parle cheval, joual, choual, oual, oual, choual. Le joual québécois. Exemple. Non, ça, c'est une expression. C'est pas du joual, là, c'est vrai. Tire-toi une bûche. Ah, ben là, j'ai pas mon fusil. Non, tire-toi une bûche. Ben là, comment je peux le faire? Tire-toi une bûche. Ben, quel bio? Non, tire-toi une bûche. Ben, lâche-moi de tirer la bûche. Non. CKRL, cultive tes goûts.